Merci beaucoup. Je tiens à communiquer à la communauté scolaire que par le truchement de Fonarev, que nous remercions beaucoup, mais aussi l'accompagnement de la société civile, les membres de la chefferie de Bukumu, ainsi que les prophètes, que Fonarev a répondu favorablement à nous accompagner pour l'enterrement de l'élève Christian Rubeni, qui était assassiné dans la salle de classe de l'Institut Mugara. Et donc, c'est pour dire que l'enterrement est prévu ce jeudi. Et la messe sera célébrée au niveau de l'église de Kanyaruchinya. Et donc, j'appelle toute la communauté scolaire, les inspecteurs, les chefs d'établissement, ainsi que les élèves, d'accompagner cet élève que je qualifie d'un héros, parce qu'il est décédé étant au service aussi comme tant d'autres, armes à main, en train de dessiner, et voilà, il était fauché injustement. Voilà ce que j'avais à dire à toute la communauté de Nyiragongo, que merci beaucoup encore à la société civile qui nous a accompagnés, et Fonarev qui a accepté de nous accompagner. Et donc l'enfant sera enterré à Macao, et la messe, ça sera à 11h, donc le matin. Le matin, vers 10h, on va retirer le corps de l'élève Christian à la morgue de SMDK, là à Munigi. Et à 11h, on va célébrer la messe. Et après la messe, on pourra l'accompagner vers le cimetière Macao. Parce qu'on a choisi le cimetière Macao, parce que le cimetière, là, la tombe sera comme un monument. Et pour permettre aux autres de venir visiter la tombe de l'élève Christian, parce que chez nous, à l'EPST, on comprend que c'est un héros aussi, c'est une victime de la barbarie de faux Azalendo. Bon, seulement, allez-y comprendre que les élèves de Mugara ne peuvent pas étudier, ils doivent accompagner leurs collègues. Mais pour les autres, je crois qu'ils doivent étudier, c'est normal, mais j'appelle tous les corps. Donc là, je fais allusion aux inspecteurs, je fais allusion au comité sous-provincial. Je connais que même la division sera là, parce que c'est un élève que nous tous nous aimions, mais voilà qu'il a été assassiné injustement, et nous devons l'honorer en tant qu'élève.